Bon, vous le savez sans doute, Jean-Luc Mélenchon a fait 28,68% sur la circonscription, ce qui fait qu'on est là, pas pour faire une candidature de témoignage, mais bien pour envoyer un député insoumis à l'Assemblée nationale et en ma personne, moi qui suis devant vous, pour faire le job comme on dit. Et bien ce soir, effectivement, on va parler du livret sécurité. J'ai effectivement été un des co-rédacteurs et puis, bon, allez, pour mon honneur, j'ai surtout lancé l'initiative de dire « Allez, on fait un livret sécurité ». Il y en aurait eu un de toute façon, mais je l'ai souhaité relativement tôt, justement pour faire un travail avec des gens du cru, quoi, du terrain. Moi, je suis au ministère de l'Intérieur, mais j'aimerais dire, je ne suis qu'un simple administratif, comme pourraient le décrire mes collègues actifs, puisque eux, ils s'appellent actifs, alors nous, on ne s'appelle pas inactifs, hein, je vous rassure, on s'appelle administratif. Et donc, à mon avis, une loi, comme il y en a eu beaucoup, des lois d'orientation sur la prévention, la sécurité, c'est les lois LOPSI. On est LOPSI 1, LOPSI 2, LOPSI 3. Et à chaque fois, c'est que du policiaro-policier. Peut-être qu'une LOPSI de la France insoumise, elle intégrerait un tas d'autres dimensions dans sa réponse sociale. Vous l'avez extrêmement bien dit, il faut des éducateurs de rue, il faut des assistants sociaux, il faut aussi des psychologues, parce que sachez qu'il y a énormément de gens qui sont en prison et qui n'ont rien à y faire, parce qu'on n'a pas la réponse médicale. Mais à la fin, quand vous fermez tous les services publics, il reste quoi? Il reste les policiers, les pompiers et les urgences. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et c'est sur ces trois services-là qu'il y a une tension maximale du fait que tout le lien, le reste du lien social, se soit délité. Néanmoins, pourquoi une police de proximité? Et comment une police de proximité? Comment on fait? Vous l'avez dit, ils font un maillage du territoire. Si vous n'avez pas des commissariats de quartier, c'est bien la peine d'avoir un policier de proximité. C'est pas la peine. Sur le fait d'habiter le quartier, dans l'absolu, j'ai envie de dire oui. En vrai, dans la réalité, je dirais surtout pas. Parce que les choses, pour regagner la confiance, pour parler de confiance, elle doit se regagner, là, voire se gagner, même dans certaines situations. Et ça prend du temps. Il ne faut pas s'étonner qu'on puisse avoir des témoignages aussi pour les manifestations de policiers qui disaient on les voit là caillassés, notre hiérarchie nous dit attendez, faites surtout rien. Et qu'est-ce que c'est bien quand on lâche, on peut y aller, quoi. Pareil pour les brigades anticriminalité. On va dire que c'est une bonne idée au départ de se dire on va mettre des mecs en civil qui peuvent choper du flagrant délit, parce que voilà, il y a un délit là, hop, on va l'attraper. Forcément, s'ils sont revenus, c'est un peu grillé, entre guillemets, donc il faut mieux être en civil. Sauf que une BAC, un équipage BAC de brigade anticriminalité, il y a des analyses qui ont été faites, donc allez, grosso modo, dans 90% des cas, il ne se passe rien. Juste, ils se baladent en voiture, il ne se passe rien. Donc à un moment donné, des gens qui font que du flagrant délit, qui font que ça, ça pose un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait deux choses avec la police, on l'a concentré dans des chiffres, parce qu'il faut montrer qu'on fait des trucs, quoi. Voilà. Peu importe si ça marche pas, on s'en fout, on fait plein de trucs. Que pensez-vous qu'il soit possible de se taire de fer pour lutter contre le terrorisme? C'est très compliqué, quoi. Tout simplement parce que c'est comment on travaille contre le nihilisme, comment on travaille contre la radicalisation, comment on travaille contre l'autodestruction, le no-futur. Il y a la question des renseignements humains, d'arrêter, parce que j'ai compris, tout écologique, mais que l'enseignement humain, donc ça veut dire aussi un maillage un petit peu de tout le territoire, une connaissance des... alors peut-être remettre en place les RG, voilà, c'est une question qui s'est posée. Alors c'est peut-être pas simplement les armes qu'il faut interdire, c'est simplement en renforcer justement ce code de la sécurité intérieure, pour bien délimiter les moments où on peut ou non avoir accès aux armes. Donc ce qu'on dit dans le livret sécurité, c'est qu'il faut des stratégies de désescalade. Et pour faire avoir des stratégies de désescalade, il faut qu'il y ait des pas qui soient faits dans les deux sens. Mais l'institution policière, parce que c'est une institution et un service public qui est à notre service, c'est à elle, à mon sens, de faire le premier pas. Je pense que tout le monde, tous les gens qui sont venus ce soir, certains ont découvert le livret ce soir, le liront en rentrant, et demain, ou plus tard, le jour à venir, et se diront « Ah oui, il y avait ça dans le livret comme réponse, c'est pas bête, et ça fait sens. » Il y a quand même un peu de travail. Mais effectivement, les questions ouvertes, ça montre ô combien il y a du pain sur la planche, et ô combien cette question ne doit pas être une question confisquée par les experts. C'est vraiment important.
si on fait du débat d'experts, on finit par avoir des réponses technocratiques hors sol, au-delà des objectifs qui doivent être des objectifs partagés collectivement.